Et salut à tous, donc on se retrouve sur Fortnite donc pour cette saison 1 de ce chapitre 2. Donc comme vous l'avez vu au titre, on va vous montrer aujourd'hui comment gagner de l'XP donc rapidement, donc à peu près 2000 d'XP. Donc c'est un petit bug qu'il y a avec les médailles. Donc attention, n'oubliez pas que ça peut être patché à tout moment, que du coup ça peut être retiré. Donc vous plaignez pas dans les commentaires dans la semaine ou d'ici 2 semaines quand il y a la mise à jour. En tout cas, quand il y a une mise à jour, si le bug ne marche plus, et nous on va vous montrer en game du coup comment faire. On va essayer de faire le moins de cuts possible pour vous montrer que vraiment on peut le faire et que c'est pas du fake. Donc c'est tout simplement en allant au pont, donc on va y aller ensemble de toute façon, donc dans tous les cas. Donc aussi, il y a d'autres façons d'avoir de l'XP, il y a notamment les coffres et les boîtes de munitions. Il me semble qu'on peut aussi gagner chaque jour les médailles, mais ça c'est pas un bug pour le coup, les médailles. En fait, ça marche. Le seul bug qu'il y a, c'est les lieux notables avec les ponts. Ça, c'est un bug. En tout cas, j'espère que non, mais je pense que vu qu'on a tout le temps de l'XP 2000-2000, je pense que du coup, c'est un bug. Et bah, du coup, on va aller au pont. Je sais pas si Crap, tu veux un pont en particulier ou si on prend le plus proche, bah les couilles. Non, n'importe lequel, comme tu veux. Ok. Aussi, à savoir, avant que j'oublie encore que je zappe. Il n'y a pas tous les ponts qui marchent dans le jeu, en gros il y a quelques ponts, mais il y a certains ponts qui vous donneront rien. Donc comme j'ai dit, c'est les notables, donc comme ça ceux qui voulaient faire leur défi valider des lieux notables en même temps, vous savez ce que c'est maintenant. Bon, en pont, je te propose de faire celui-ci, parce que celui-ci je suis sûr qu'il marche. Et en plus c'est le plus proche du bus. Ok, ouais, ok. Grave qui Non, répond, n'importe il quel, je sait te le plus dis, hein, maintenant il n'y a quand pas de il veut. souci. Ok. Le mieux c'est que si on se suicide, donc aussi oui, n'oubliez pas, même si vous vous suicidez, parce que certains n'ont pas encore capté ça, mais même si vous vous suicidez, vous gagnez de l'XP. En gros, ce que je veux dire par là, c'est pas vous vous suicidez vers quelqu'un ou vous jetez dans le vide, c'est par exemple vous quittez la partie, ça va quand même vous compter l'XP. Maintenant, enfin depuis la mise à jour, c'était déjà la saison 9 ou 10, enfin depuis une des mises à jour, du coup on peut le faire. Il faut juste aller sur le pont en dessous, donc mettez-vous bien, vraiment bien bien au-dessus en dessous, donc passez plusieurs fois ou quoi, mais normalement il faut juste bien aller dessus pour que le jeu comprenne que bah vous êtes sur le pont ou vous êtes proche du pont, et du coup ça va vous valider les 2000 XP. Alors on va voir. De toute façon il faudra qu'on retourne sur ce pont là. Donc sur ce pont là on n'a rien. Comme j'ai dit, il n'y a pas tous les ponts. C'est bizarre hein. C'est bizarre, c'est bizarre. Ou alors je me suis trompé de pont gros. Allez, voilà, là, lieu notable découvert, voilà. Donc les gens, c'est bien, les ponts, on en gagne bien. Donc comme vous l'avez vu, faut bien choisir le pont, vous devez faire enfin, vous devez aller au bon pont. Là, par exemple, le premier, je suis allé au mauvais, donc les deux en haut, on voit qu'ils marchent pas. Et du coup, ce pont-là marche. Mais ce qu'on a vu tout à l'heure quand on avait testé en game, c'est que les ponts marchaient, mais tous les ponts qui marchaient, c'était les ponts avec cette structure-là, en gros. Pas un pont simple, juste un... T'as vu tout à l'heure, crap, genre c'était... Là, les ponts que ça a Ouais. pas marché, c'était des ponts normaux avec rien. Celui-là, il a une fortification en métal. Et t'as vu celui qu'on a fait tout à l'heure, le rouge ou je sais plus lequel, là. Je sais plus quelle couleur. Et ben, il avait aussi la même structure et ça marchait. Donc, en fait, c'est vraiment les ponts qui sont comme ça, là. Donc, avec... Je propose de te jeter à la mer pour faire l'autre en face. L'autre en face qui est là-bas, mais ça marche pas, gros. C'est ce que je viens de dire. C'est les ponts comme Tu vois ça. pas. Je parle pas celui-là là. Lequel? On va voir avec Celui-là Crapule là. l'explication. Bah en fait on va suicider et on va refaire ce pont-là pour leur prouver que c'est bien ça, que ça marche bien. Ensuite il faudra qu'on aille à celui-là parce que celui-là où t'as mis encore le point ça ne marche pas. En gros les points où ça marche et bah, de toute façon je vais vous montrer les gens. Donc c'est celui-là là, le rouge, donc celui-là c'est sûr ça marche. Celui-là avec la structure verte, donc c'est bien ce que j'ai dit, hein. Vraiment, c'est pas les ponts comme t'as voulu aller, crap, avec le bois, parce que c'est Ah, ceux c'est qui les autres marchaient pas. fortifications? Voilà, c'est ceux avec cette fortification-là, t'as vu, bah attends, je vais sauter en bas pour montrer aux gens de voir. Mais en gros, peu importe la couleur, faut vraiment que ça soit fait comme ça en fait, que ce soit un pont avec le métal qu'on voit en haut là, comme ça, et en bas. Donc le pont là, il marche, le pont là, il marche, le pont qui est là-bas, il marche pas, je me fais tirer dessus ou quoi? Ah non, mais c'est l'autre con. Donc c'est ce pont-là et ce pont-là, il marche pas du coup. En plus, je me fail en début de vidéo, c'est triste quand même. Du coup, il y a ce pont-là qui devrait marcher, le jaune. Mais c'est vraiment les ponts avec la couleur là. Mais avec le métal. Mais de toute façon, on va vous montrer, on va le faire ensemble en game. On va faire les trois. Là où t'as mis le point, tu peux enlever, ça marche pas. De toute façon, on va refaire le pont. Comme j'ai dit, je vais pas faire les cuts normalement ou très peu. En tout cas, juste pour que le chargement pour vous soit moins long. Donc je te propose de quitter, il n'y a personne qui est venu nous tuer malheureusement. Mais du coup ouais, c'est vraiment les ponts avec les fortifications. Il faudra qu'on essaye aussi de vous montrer avec les boîtes de munitions et les coffres si on gagne de l'XP.
Est-ce que t'as un autre point où on gagne de l'XP, toi, ou... Même pas. À part ceux que t'as cités, non. Je crois qu'il y a les médailles, il y a cette médaille qui est buggée qui fait qu'on gagne. Il y a quoi encore? Ouais, je crois que c'est tout, hein. Il y a médaille, pont, médaille, pont. Médaille, pont, médaille, pont, médaille, pont, boîte de munitions. D'ailleurs, les gens, si vous voyez autre chose en commentaire, Coffre. n'hésitez pas à nous le dire. Ouais, les coffres. N'hésitez pas à nous le dire. Et comme j'avais dit tout à l'heure, on gagne plus l'XP de groupe qu'on avait en dessous de notre écran. Donc l'XP de groupe, là comme on le voit, on l'a plus dans le pass de combat, dans ce pass de combat. Donc est-ce que c'est désavantageux ou pas, va savoir. Moi je pense que c'est un petit peu chiant parce qu'on gagne beaucoup moins du coup. Parce que les top 1 maintenant du coup on gagne quoi? 2000 d'XP. Et là avec le bug on gagne aussi 2500. 2000. Moi j'ai gagné 2500 tous mes top 1 là, minimum. 2500 top 1, donc les top 1 ça nous donne 2500 d'XP. Là les gens avec ce bug là, bah, d'ailleurs n'oubliez pas, hein, dépêchez-vous de le faire, il va être patché je pense. On gagne 2000 d'XP. Et C'est beaucoup. ouais, c'est énorme hein, parce que vous pouvez le faire en boucle et comme j'ai dit, vous pouvez quitter la game en fait. Donc là, on va retourner au même pont qu'on avait été pour vraiment vous montrer. Là, j'essaie de faire le moins de cuts Et en possible, en plus, tout si cas pour vous le faites début. ça, en plus, si Vas-y. vous faites ça, les gens, vous allez au pont, vous faites 2000 XP, vous quittez, vous allez smurfer votre compte. Je vous dis ça au cas où, c'est un tips. Vu qu'en fait, vous allez compter comme une mort, bah en fait, ça va compter mort, 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 Ah mort, et oui, en forcément, ça gros, va créer votre des stats. ratio il va baisser, oui, ça va vous Il faire va tomber avec des énormément baisser bots. et vous allez tomber qu'avec des bots. Ouais, ça faites peut-être attention si vous voulez pas faire. Ou alors sinon vous allez au pont et vous jouez votre game Non, ils normalement. smurfent. En fait, ils font du reverse boost, qu'on appelle sur Call of Duty du reverse boost. Faut retourner là Fortnite, ils du peuvent coup. pas bannir les gens qui font ça. C'est impossible. Non mais ils peuvent Imagine pas tous les gens bannir, qui mais font je veux ça. dire en gros soit. Parce que ça peut être une autre solution. C'est si vous êtes vraiment bon et chaud, contrairement à moi, MDR, genre Crapu, si vous avez son level, vous pouvez très bien aller au pont, gagner 2000 XP, vous looter dans une ville à côté, faire top 1, du Ils coup font ça ça fait 10 2000 plus fois. 2500. Avant de quitter. Ça vous fait Ils font 4500 10 d'XP. fois ça avant de. Ils font 10 fois ça avant de quitter. T'as vu, avant de vraiment lancer leur game, et je peux t'assurer que leur game, ça sera avec des bots. J'ai testé ça aujourd'hui et tu tombes vraiment avec beaucoup de Ouais, bots. mais franchement, c'est intéressant, je trouve, non? En vrai, parce que 4500 d'XP, le pont il va te donner 2500, enfin, le pont il va te donner 2000 et le top 1 va te donner 2500, frère. Mais en fait, ouais et non. C'est bien, tu ne trouves pas, toi? Ouais, non. C'est même mieux Ça qu'une va foire pas. d'empoigne. D'ailleurs, sinon, bah en vrai, ils veulent être rentables, vous voulez être vraiment rentable, vous allez en foire d'empoigne, les gars. Si votre team elle gagne, je crois que c'est 1500 d'XP, c'est un petit peu moins et vous avez 2000, mais vous êtes sûr d'avoir l'XP du top 1. En vrai, quand j'y pense, c'est même peut-être plus rentable que d'essayer de faire le top 1 en solo. Là, hop, on peut le Ok, voir, plus j'ai 2000. Ouais, non, mais c'est ah, plus ça. 2000. C'est bien ce que je disais, c'est avec les structures en fait. Peu importe la couleur du pont, faut qu'il y ait cette structure là. Donc, du coup, bah, on va requitter la game, hein. Allez, suicide général. Je prends même pas assez de dégâts dessus. Vas-y, je suis obligé de quitter. Mais je pense, ouais, vous devriez plutôt aller en fond d'empoigne. Parce que, en vrai, vous êtes vraiment chaud, vous voulez du challenge. Vous allez juste au pont pour gratter l'XP et vous faites du kill et vous faites top 1. Mais sinon, je pense, le plus rentable du plus rentable, c'est d'aller en foire d'empoigne en vrai. Parce que la foire d'empoigne, vous avez une chance sur deux déjà de faire top 1. C'est mieux qu'une chance sur 99. Et ça donne aussi. Bah, ça donne 1500, je crois, au lieu de 2500. Je sais pas si tu peux me confirmer ou pas, parce que moi je fais pas tout le temps de la foire d'empoigne, donc j'ai pas l'XP en À tête. l'arrière, on vient de gagner 2000 XP minimum et total de la partie 2110. Bah ouais. Mais n'oubliez pas les Là, gens que c'est ça peut combien de être patché, gagner? donc dépêchez-vous vraiment d'en profiter. Vraiment, Alors dépêchez-vous, qu'on vient juste de faites-le. spawn et quitter, on vient de gagner 2110 XP. C'est ça. Bah oui, parce qu'en plus il y a la durée et tout, donc en vrai même encore mieux. Tu sais, si, bah comme j'ai dit, le mieux c'est foire d'empoigne, mais au pire tu te mets en solo, tu vas découvrir tous les ponts si la zone est dedans. Tu restes AFK pour gratter ton... Comment ça s'appelle? Ton Ton temps. top. Enfin ouais, ton... Bah pas forcément ton top, mais tu sais, t'as d'XP par Non, rapport à parce que combien de temps t'as survécu. le top rapporte de la survie. Il rapporte 500 XP presque. Parce qu'en fait, à la C'est médaille, ça, c'est oui, juste le voilà, ouais. top. Et plus les zones qui se ferment. Donc T'as ça que c'est ça que grave t'as. intéressant. Donc vraiment profitez-en, à mon avis ça va être patché parce que là j'aimerais que Bah, ça ça, soit c'est pas un sûr. bug mais là ça se voit en fait hein. C'est un gros glitch C'est un gros d'XP glitch. vraiment. Donc franchement ça il faut le faire. Là on va aller au l'autre pont, je pense qu'on va aller au rouge je pense, il y a l'autre.
Faut regarder vraiment les points avec cette structure sur la carte, on les voit de toute façon en vrai. On les voit, l'autre qui mange comme un gros sac. Voilà, l'autre pont Baby stack, frère. c'est le rouse. Le rouse. Voilà, Le on va au pont, rouge. on va au rouse. Donc là, on le voit bien, hein, c'est cette Allez, structure-là. frère, on va rouge. Hey, Jean Kéké, t'as des questions ou pas? J'en ai une, Jean Kéké. Vas-y, dis-moi. C'est quoi le point rouge? C'est quoi le point rouge? C'est mon doigt dans ton cul. Et paf, ça fait du son capic. Je m'y attendais pas trop, mais vas-y. Voilà, c'est ce que je disais, on avait le pont vert. Les gens vont se dire, on est fou, tu sais, je fais pas de cut. Ils vont se dire, mais what the fuck, on est tombé avec les gogoles de la team ou quoi? Voilà, pont rouge. Là, c'est la même structure. Vous voyez là, le pont, ben, c'est la même structure que l'autre. Il y a le métal en haut, c'est en métal là. Il y a le petit truc en bas. Et là, on y va. Normalement, on va gagner. Ben, même en allant là pour éviter de se faire tuer, peut-être. Non, on s'en fout en vrai. Voilà, 2000 d'XP. Voilà, 10 découvertes. Donc, on vous a montré avant. Je pense pas qu'on va relancer la game. Je pense qu'on va vous montrer le prochain pont. Donc, rappelez-vous, je vous montre sur la carte. Déjà, c'est ce pont-là, c'est sûr. Et ce pont-là. Donc, le vert et le rouge. Donc, il nous manque à vous montrer le pont jaune qui est ici. Je regarde avec vous d'ailleurs le pont. Donc, comme j'ai dit, il y a celui-ci, on passe devant. Et du coup, il y aurait éventuellement ce pont-là qui est à côté. On peut aussi le faire. Il a aussi une structure. Pareil, on le voit. En fait, les gens, si vous demandez comment je sais le pont que c'est, parce que là, on le voit en fait. Là, on voit que c'est pas la structure. En fait, il faut regarder la structure là, comme ça. Là, en fait, pour voir sur la carte si c'est le bon pont, on voit un bout de route. On voit de la couleur et on voit que sur les côtés c'est coupé là comme c'est ça en fait c'est ça qu'on voit. Et c'est comme ça que je sais donc peut-être qu'on peut y aller à pied pour leur montrer pour celui-ci. Et ensuite on vous Viens. en montrera encore un en relançant une game là-bas. Ouais, voilà. Bon pente les gens, je pense que vous le voyez, on essaye de parler pour essayer de combler les vides, vu qu'on veut pas faire de cut, vraiment on veut vous montrer que c'est pas du fake, on gagne les glitches, c'est déjà mieux que les gens kékés qui font glitch V-Buck illimité. Tu vois genre là on va vous montrer vraiment que c'est vrai et lui on dirait un bot de ouf frère. Le mec soit c'était un C'est joueur un bon mobile. mobile. Ouais, c'est ce que j'allais dire, soit c'était un téléphone, soit c'était un joueur mobile. Parce qu'il a Voilà. construit un mur, hein. Les bots ils construisent pas presque, hein, je vous le dis. Si, ils construisent un mur. Ils construisent un mur. N'oublie pas, on a lancé. D'ailleurs, les gens vont faire aussi la vidéo là. Elle arrive celle-là. Je pense qu'elle va arriver aujourd'hui ou demain. On va affronter des petits bots. Je voulais le faire le jour même, mais la flemme, trop sortie de vidéo. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, MDR. Parce que le Discord, vous pouvez trouver des gens avec qui jouer du coup. Donc, vous mettez juste votre pseudo ou en commentaire même ici en vrai. Hein. Vous pouvez caler Eh, si vous voulez un top 1, votre invitez petit IP. Super Arme. Ouais, j'avoue, ajoutez-le tout son ami, il adore avoir des amis. En vrai, comme il joue jamais à OBR, il tombe pratiquement qu'avec des bots. Et Une comme ça, amie. ceux qui arrivent pas à faire de top 1, vous l'invitez, vous faites top 1. En Courant, vrai, moi une amie. avec moi aussi, je crois, hein, que vous. Ah, ben moi, je me casse au pont. Par contre, pas avec moi, je vous le conseille pas. Ouais, non, Sinon, si vous crap, voulez c'est tomber mort. avec aucun bot, y a pas de souci. Ouais, crap, c'est que les tryhards qu'il a, il a 0-0 bot. Moi, je vais essayer d'aller au pont tant que t'es mort. Putain, je me fais tirer dessus. Je sais pas si on va réussir à aller au pont. Vas-y, je fais une prière. Je dis, vas-y, on va aller au pont et après, on va aller à l'autre pont et tout. Et on se fait déjà canard. Ils ont cru j'étais qui, moi. M'en fous, les gars, Un on va Jean au pont. Kéké. Ouais, c'est Jean Kéké. Mais en vrai, moi, les gens Kéké que je déteste, c'est pas eux qui te tirent dessus. Voilà, là, on le voit, c'est un pont bleu. C'est les mecs, et je sais pas, bah dites-moi votre avis en commentaire. Moi, c'est les mecs qui campent aux lettres, par exemple. Quand c'est des étoiles secrètes ou quoi, genre les mecs, ils l'ont déjà récupéré, ils campent et ils vous attendent et vous mettent des balles, des têtes et tout. Genre, ça, c'est horrible, vraiment. Et là, on voit d'ailleurs en bas de mon écran que j'ai encore reçu 2000 d'XP de Lunota. Donc, c'est bien ces ponts-là. Donc, le pont bleu, d'ailleurs, je vais quitter la game, comme ça, on va vous montrer le dernier pont qui est en bas à droite. Il y en a peut-être encore un autre, mais je vais vous montrer juste celui-là en dernier. Je vais encore vous montrer un pont. Du coup, toi, t'es mort, mais c'est pas grave. De toute façon, j'avais déjà dit qu'on quittait les games, donc c'est tranquille. Là, il nous reste un petit pont, et ensuite, on vous laissera ici. D'ailleurs, Ouais, n'hésitez j'ai perdu pas, hein, le Discord, code mon XP, créateur. j'ai gagné 2645 et toi? Moi, j'ai vu les 2000, j'ai pas regardé exactement combien j'ai gagné. Et on voit bien aussi que ma barre, elle monte en haut à gauche. Les gens, vous voyez bien, je quitte la game, mais on voit que la barre, comme elle monte légèrement, mais elle monte. Bon, je trouve ça vraiment dommage hein, avec les bonus d'XP de groupe, on XP quand même plus vite là. Le fait qu'il les a enlevés, ça nous baise un peu hein, au niveau des levels. D'ailleurs, tiens, bah, je vais en profiter. Vu qu'il faut combler là,
J'avais une théorie, mais après, il y en a, ils sont pour, il y en a, ils sont contre, crapule, mais prêt. En gros, c'était, je vais vous montrer là. Genre, en gros, là, on est retourné au chapitre 1, enfin, chapitre 2, saison 1. Donc, le premier, c'était chapitre 1, là, on est au chapitre 2. Et on avait, du coup, le skin, il est où? Oméga. Voilà, Omega, ouais, mais je le cherche, en fait. Voilà, il y a marqué par exemple, moi on peut voir là, j'ai pas débloqué la couleur. Il y a marqué atteint le niveau 80 de la saison 4 et ça a lancé, mais c'est pas grave, j'ai eu le temps de lire. Est-ce que vous pensez pas que quand on sera au chapitre 2 saison 4, il faudra qu'on monte juste level 80 et on pourra débloquer du coup les couleurs qu'on n'avait pas pu débloquer? Moi, c'est ce que je me dis qu'on peut le faire pratiquement avec tous les skills où il fallait débloquer. Par exemple, pour ceux qui n'ont pas fini Ragnarok, on pourrait finir Ragnarok. Après, tout dépend de quelle saison. Parce que là, en vrai, quand on part du principe, en vrai. Que c'est reparti à la saison 1 en fait, c'est le nouveau chapitre, mais c'est reparti aux saisons. Et le skin, il y a marqué être niveau temps et temps de cette saison. Il n'y a pas marqué être niveau 80, saison 4, chapitre 1. Il y a marqué juste atteint le niveau 80 de la saison 4. Donc je me dis, si vous avez déjà le skin, et je précise bien, si vous avez déjà le skin, je pense qu'on pourra débloquer les variantes qu'on n'avait pas pu faire du coup. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui Moi, disaient j'ai déjà ouais, dit non, et que d'autres je qui disaient oui. pensais comme toi. Ouais, Je mais pensais, moi tu non, me je l'as pense dit. qu'on peut si on a déjà le skin. Moi tu. Ouais, mais c'est ce qu'on avait dit de toute Bah, façon. tu veux peut-être qu'on ait chapitre 2, mais c'est quand même le même chapitre en fait, c'est la même saison. Bah oui, c'est ça. Ça sera exactement le nom. C'est ce que je t'ai dit. Sinon, ils auraient mis Mais vu que chapitre d'après 1, l'histoire, le saison 4. visiteur est parti chercher les anciens mondes pour les reconstruire et les remettre, Bah, je si crois on suit qu'il la l'a fait, c'est logique, ils celui-là. avaient aussi les défis. Tu vois, parce qu'il y a encore Pleasant comme il était vraiment au tout début, il y a Rytel comme il était vraiment au tout début et tout le reste, tu vois. Enfin, à part Rytel où il y a Exact. quelques véhicules, mais sinon, la ville reste emblématique, tu vois, reste la Bah là même. c'est comme si on Mais. avait eu la ville de la saison 1. Bon, elle est beaucoup mieux celle-là, on peut nager, mais moi je pense en vrai c'est faisable, hein. C'est large possible. Donc c'est pour ça. Et il nous reste que ce pont-là, et après bah moi je vous laisserai sur le pont. Je pense pas que je ferai de. Bah je pense pas qu'on retournera dans le menu. Je sais pas si je peux vous montrer un autre On fait pont laquelle? éventuellement. Bah si tu veux, on pourra faire cette game, mais d'abord je fais mon outro, d'accord? Et on ira vous faire d'autres vidéos encore, on en a encore une tonne, une tonne, une tonne. Je vais attendre que Crap il finisse de manger ce gros sac. Bah c'est bon, t'inquiète pas. Ah c'est bon. Ah tu l'as vu le mec qui tirait sur son homme, je sais pas si les gens vous l'avez vu. Je vous mettrai peut-être un extrait si je retrouve, il y a un mec qui a réussi, enfin qui... Voilà encore 2000 d'XP, il y a un mec qui tirait sur son ombre. Parce qu'il a cru que c'était un joueur. Regarde, genre quand tu te mets là, on dirait que c'est un joueur de loin. Attends, je sais plus comment il faut se mettre. Bref, on s'en bat les couilles. Bon, écoutez les gens, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à profiter un maximum de ce petit glitch. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, on vous laisse.